Bonjour, c'est dimanche. On est toujours à Bruxelles, mais on va pas tarder à repartir. Bisous. On rentre en France. En jouant à Pokémon. Comme je le disais, Alex et moi, on adore faire la cuisine. Par exemple, ce soir, je vais faire une salade de concombre. Ah! Je précise tout de suite que je ne gâche pas la nourriture, c'est une vraie recette chinoise qui nécessite d'exploser le concombre avant pour pouvoir extraire le jus, et puis sinon si tu fais des morceaux réguliers, tu peux pas les manger avec une baguette parce que ça glisse. D'autant que si t'as qu'une baguette, tu risques d'avoir du mal. Et voilà, je suis rentré à la maison, je viens de finir le vlog. Il dort, et Denis il a fait du ménage, et maintenant il boit un petit peu de bain de bouche. Et Jean-Charles, il a fait les courses et il range les courses. Le soleil vient de se lever, c'est l'heure du petit déjeuner et je vais vous présenter ma pâte à tartiner. Yeah. Moi, le petit déjeuner, c'est un indispensable du matin. Et dans cette optique, au début des années 2010, j'ai fait la grande tournée de tous les chocolatiers, de tous les supermarchés belges, pour goûter toutes les pâtes à tartiner au chocolat, aux noisettes et autres trucs bizarres. Et de cette grande expérience, la seule à être restée, c'est la Côte d'Or au chocolat noir. La plus vulgaire du lot. Bon, je vous fais pas la liste des ingrédients parce que c'est absolument dégueulasse. Mais la seule chose qui compte, c'est que c'est la meilleure au goût. Elle est toute crémeuse, elle a un petit goût chocolat au fond qui va bien. C'est l'ami indispensable que vous rapportez de votre voyage quand vous allez vous amuser. Voilà, à la prochaine. Et moi, je joue à Persona 3. I'm far more in my element. Let me show you that I haven't lost my touch. Let's go! Assess the layer! Let's go! Take that! One last touch! Like a fish in a barrel! Victory. Bon, en fait, c'est mardi, je suis en télétravail. Je suis en train de travailler. En train de regarder un gars jouer à un jeu où il est proctologue et il sort des trucs du trou du cul des gens et il les soigne. C'est vraiment passionnant. J'en ai aussi profité pour précommander Tomb Raider 1 à 3 Remastered, qui sera disponible demain. Allez hop, c'est mardi, donc mardi bien riche. Bonjour, bonjour. Que je t'encule ?
les jeux sur la Switch, quand ils sortent, ils sont pas disponibles à minuit comme sur la Xbox. Ils sont disponibles à 15h. Bah, j'attends qu'il soit 15h pour jouer à Tomb Raider. C'est long un peu quand même. One eternity later. Ça y est, je peux enfin jouer et regarder. Là, elle a les seins ronds. Là, elle a les seins pointus. Là, elle a les seins ronds. Là, elle a les seins pointus. Là, elle a les seins ronds. Là, elle a les seins pointus. Et toi, t'as les seins comment? Carré. Carré. Alors pour la Saint-Valentin, plutôt que de vous donner mon avis qui n'a pas beaucoup d'intérêt sur la Saint-Valentin, je vais vous lire un extrait de L'obsolescence de l'homme, qui est un livre de Günther Anders et qui traite de la consommation et des loisirs. Alors, il dit tout simplement, alors que le travailleur à domicile classique fabriquait des produits pour s'assurer un minimum de biens de consommation et de loisirs, donc on travaille pour se procurer des loisirs, celui d'aujourd'hui consomme au cours de ses loisirs un maximum de produits pour, ce faisant, collaborer à la production des hommes de masse. Voilà. Le processus tourne même résolument au paradoxe, puisque le travailleur à domicile, au lieu d'être rémunéré pour sa collaboration, doit au contraire lui-même la payer. Voilà, c'est-à-dire que tu participes à la société avec des choses de consommation que tu payes. Voilà. Alors qu'avant, c'était le contraire. Tu te payais tes loisirs à travers ton travail. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Alors pour moi, la Saint-Valentin, c'est un peu spécial parce que j'ai un grand souvenir de Saint-Valentin ancré au fond du cerveau, auquel je me rappelle avec beaucoup de tendresse tous les ans. L'ironie de l'histoire, c'est que je n'ai pas eu de Saint-Valentin depuis 2012. J'ai bien tenté une nouvelle histoire en 2013, ça a duré 2 mois. J'ai bien fait une dernière tentative en 2016, ça a duré 3 semaines avant que je me lève à 4h du matin pour me barrer en me disant que j'allais me foutre dans la merde encore une fois. Et que le souci, c'est qu'aujourd'hui, en tant que célibataire, la vraie question, c'est est-ce que je suis prêt à sacrifier ma liberté pour un mec? Parce qu'en tant que célibataire, j'ai eu des moments de nirvana, d'extase tellement haut perché, que remplacer ça par un mec qui va squatter mon canapé et ma télé et qui se plaindra à longueur de temps que j'en fais jamais assez, c'est mort. C'est l'avantage de l'âge, c'est qu'à un moment, t'as assez d'expérience pour dire stop. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question. Je suis sur le marché, je fais des choses, je sors, je vais dans les bars, les bordels, je suis sur les applis, je voyage partout en Europe et même en Amérique du Nord. Donc, si ça doit arriver, tant mieux, je suis prêt. Si ça doit pas arriver, bah, je n'ai pas perdu mon temps. Voilà, à la prochaine. Qu'est-ce que je pense donc de cette fameuse fête du 14 février, la fête des amoureux? Il y en a qui sont pour et qui vont faire plein d'efforts pour des cadeaux, des repas, des fleurs, tout ça. Et il y en a d'autres qui s'en foutent et qui disent que, bah, de toute façon, si on s'aime, c'est tous les jours, on peut se faire des bisous tous les jours. Et bien moi, je dis que de tous les deux ont raison, parce que nous sommes dans le monde des bisounours. Non, c'est pas vrai. Mais ils ont quand même tous les deux raison. On peut se faire des bisous tous les jours, on peut s'en faire le 14 février, il n'y a pas de raison qu'on s'en fasse pas ce jour-là. Voilà. Pour la Saint-Valentin, je te tiens la main. Vivement la Sainte Marguerite. Voilà. Ouais, j'ai reçu ma nouvelle console rétro. Ça y est, j'ai reçu ma nouvelle caméra pour le vlog, alors on va ouvrir tout ça. Ouvrir le colis, séance unboxing. Hop. On a gros packaging. Waouh.
le pied et la caméra en elle-même. C'est beaucoup plus compact que ce que j'imaginais. C'est plutôt cool en vrai. Donc la caméra, on peut l'utiliser comme ça tout seul. Sinon, on peut la brancher sur une autre batterie. Ça tient encore plus longtemps. Et voilà, comme ça. Et là, on a une caméra vlog. Voilà, ça y est, j'ai fini de faire mon sac. Tout est prêt. Il reste encore quelques trucs là que je mettrai demain. Ah, parce qu'il faut que je les charge cette nuit, mais c'est bon. La nouvelle caméra est configurée. Donc je vais pouvoir la tester demain. J'ai fait déjà quelques vidéos avec ce soir, mais je vais aussi l'utiliser demain en extérieur pour voir ce que ça donne. Donc on verra ça et vous verrez ça. Après les réglages, je suis pas mal satisfait de la qualité. Même la qualité audio, je m'attendais à vraiment pire que ça. Et au final, elle a l'air assez costaud. Il y a plein d'accessoires pour filmer sous la douche et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Ben là, je vais finir la soirée tranquille, mettre dans le sac les derniers trucs à mettre une fois qu'ils seront chargés. Et demain, direction les États-Unis. Bisous. Bonjour, je viens de me réveiller. Alors, pas facile de le bonheur ce matin. Donc, je vais me préparer doucement là, parce que j'ai un peu de temps. Et puis je vais prendre un Uber pour aller à l'aéroport. Bisous. Là, je suis arrivé à l'aéroport. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un peu de bruit. Donc je vais aller passer la sécurité bientôt. Je vous retrouve de l'autre côté. Bisous. Donc voilà, j'ai passé la sécurité. Maintenant, je vais trouver ma porte, la L26. Et puis je vais me poser quelques paroles en attendant parce que je suis très en avance. J'embarque. Et voilà, je suis installé dans l'avion et en plus je suis tombé sous l'eau. Donc je vais pouvoir faire un petit annulaire de décollage. Bisous. Vous voyez dans une série ou un film un commissaire de police, dans une préfecture de police qui ressemble à ce qui est derrière moi, et bien sachez que, en vrai, dans la vraie vie de tous les jours, c'est une école de violence. Voilà, bisous. A few moments later. Je suis descendu de l'avion, il y a de la neige partout. Je ne sais pas si les garçons vont pouvoir venir me chercher, donc je ne sais pas ce que je vais faire pour l'instant. Voilà les pistes de neige d'avion. Les garçons ne peuvent pas venir me chercher parce qu'il y a trop de neige et il y a des incidents sur la route pour venir à l'aéroport. Alors on va voir si on peut trouver un transport par l'aéroport, un Uber ou un truc comme ça, pour aller chez eux. On va voir ça. Ça fait presque 2 heures qu'on cherche à avoir un Uber, je ne sais pas quoi. Et il n'y a rien du tout.
Je suis toujours à l'aéroport, je suis mort de froid parce que je conduis dehors. Je vais attendre à l'intérieur et ils vont essayer de voir si ils arrivent à me chercher ou pas. One eternity later. Et ben voilà, je suis bien arrivé et j'ai bien mangé. Et Lisandro est en train de bricoler. Et je pense qu'on va pas trop tarder à aller se coucher. Bisous. Bonjour, c'est samedi. On vient de se réveiller. Et ben, je sais pas ce qu'on va faire. What do you want to do? You want to sleep again? Ok. So we're going back to bed. Voilà, il fait moins 50 dehors, il y a de la neige. Lisandro, il prend son café avec de la glace. Donc a priori, ça a beaucoup amusé Xavier que je commande ce produit le jour de la Saint-Valentin. Il m'a demandé de faire un unboxing, donc unboxons. Du carton. C'est bien protégé. Comment sortir de ce... Donc voilà. Dans l'unboxing le plus original et le plus intéressant de l'année, on a une poubelle. Ouais, ouais. Et comme je l'ai commandé à la Saint-Valentin, c'est parce que ici au premier étage, vous avez le purgatoire pour les mecs pénibles. Au dernier étage, vous avez l'enfer pour tous les autres. Mais j'aurais dû prendre un beaucoup plus gros volume. Voilà. Nous avons unboxé. Bye bye. Je viens de faire la sieste pendant une heure, je sais plus où j'habite. Coucou. Coucou. Salut. Alors là, Xavier, on est en train de siffler les bières que t'avais amenées à la soirée voyance. Voilà. Merci. Voilà. On se prépare pour sortir pour aller au restaurant avec les filles. Et après faire quelques courses. Bisous. On a bien mangé. Maintenant, on va faire les courses.